Aujourd'hui, nous allons parler du don de l'Église, car il est bon de rappeler que l'Église ne vit que de dons. Pouvez-vous nous dire pourquoi le don de l'Église est aussi important ? Bien sûr, c'est une question importante que vous me posez là, parce que, contrairement aux idées reçues, eh bien, l'Église ne perçoit aucune aide financière, bien sûr, ni de l'État, ni du Vatican. Elle ne vit que des dons apporté par ses fidèles, et je ne saurais trop remercier tous ceux qui participent dans notre diocèse au denier de l'Église. C'est la raison pour laquelle la collecte du denier de l'Église est vitale pour nous. Tout à fait. Peut-on rappeler à quoi sert le denier de l'Église ? Eh bien, il sert au traitement et aux charges du clergé, ainsi qu'au salaire et aux charges des laïcs qui agissent tous les jours afin que l'Église soit présente, vivante, agissante dans notre cher Périgord. Très bien. Et quels sont les objectifs en 2012 ? Bien, peut-être grâce à vous, l'an dernier, nous avons eu quand même 1143 nouveaux donateurs, ce qui n'est pas rien, mais malheureusement, les effets de la crise aussi ont eu un impact sur nos finances. Ce qui a légèrement fait baisser le denier de l'Église, légèrement. Alors, en 2012, nous souhaitons toucher le maximum de personnes, car il est possible qu'un certain nombre de chrétiens ne donnent pas simplement par méconnaissance, ils ne savent pas que le denier de l'Église existe. Voilà. Alors, il faut faire savoir autour de nous la réalité des conditions financières du diocèse, et nous espérons bien cette année augmenter le nombre des donateurs. Et déjà, encore une fois, je les remercie. Très bien. Merci, Monseigneur. Avec plaisir, Émilie.